nouvel ami vraiment très sympathique, il lui proposait d'aller jouer chez lui ou sur la plage. C'est pour rien. Ça va. Il a mangé. Donc on récapitule un peu le magicien. Bah, le petit tyrannosaure, il avait tout mangé ses amis. Du coup, il était triste. Et là, il rencontre un copain et il le mange. Parce qu'il a peur. Et c'est là que la catastrophe se produit. Le petit tyrannosaure se jetait sur son nouvel ami et n'en faisait qu'une bouchée. Pardon, pardon, disait ensuite le petit tyrannosaure. Mais bien sûr, c'était trop tard. Aussi, c'est trop tard. Ils sont dans une cage. Non, ils sont dans la jungle. Bientôt, le petit trop tard. Ce matin-là, le petit tyrannosaure venait juste d'avaler son dernier nouvel ami. Il était seul à présent, totalement seul dans la grande forêt. Il comprit qu'il n'aurait sans doute plus jamais d'amis. Alors, il fut pris d'une immense tristesse et se mit à pleurer. Il comprit aussi que bientôt, il allait avoir très faim et se mit à pleurer encore. Ce quelqu'un s'appelait Molo et venait d'une autre forêt. C'est qui Molo? Molo, sa petite souris. La petite souris. Molo! Et tu sais, le tyrannosaure, il a mangé tous ses copains et là, il pleurait parce qu'il avait encore plus faim. Il avait encore faim. Plus faim, encore faim. Faudrait pas qu'il mange son copain Molo. Ah, oui.